Exactement. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette chaîne est pour vous si vous avez envie, comme dans un théâtre, de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses, comment se crée un tableau. Je m'appelle Annie Hagemann, je suis artiste peintre, docteur en lettres, et aujourd'hui, je suis très contente car sur ma chaîne, j'ai une invitée, Andrea Schmidt, qui elle aussi est professeure d'art plastique et peintre. Et je suis vraiment contente qu'elle a eu envie de participer à un de mes cours. Alors, comme bon, bah, tu peins déjà depuis longtemps, Andrea, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aujourd'hui appris par exemple? Oui, en effet, j'ai appris. En fait, j'ai développé aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Mm-hmm. J'ai vraiment véritablement touché la peinture avec mes mains. Et ça, je n'ai pas travaillé depuis très longtemps. Je travaille plutôt à la peinture à l'huile, un petit peu avec les pinceaux à la manière des maîtres anciens. Et aujourd'hui, je me suis régalée. Donc, je suis allée vraiment à la main. Et puis, surtout, j'ai bien exprimé quelque chose que ça a été devenu vraiment spontanément. Voilà. Ah, c'était le but de l'abstrait. On dégage certaines choses aussi. Ouais. Oui, comme je disais justement, un des principes importants, c'est aujourd'hui, c'était vraiment de lâcher prise, d'y aller à fond. Bah, c'est chouette que tu as pu le faire, y aller. Et est-ce que c'est même possible pour toi? Je ne sais pas forcément comment mettre tes mots dessus, mais tu as dit que tu as réussi vraiment à lâcher, à exprimer quelque chose. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous dire un peu plus quoi? Bien sûr, bien sûr. Alors, le tableau à deux. Voilà, donc j'ai exprimé, il fait chaud au sud ici. Alors j'ai exprimé la chaleur qu'on a en fond de nous, enfin en moi. Et cette chaleur se décante petit à petit dans l'air que j'ai évoqué ici. Donc j'ai utilisé vraiment les couleurs qui rafraîchissent la toile, mais cette chaleur elle est vraiment évoquée avec ce trait qui arrive en diagonale. Et je trouve que c'est l'art, c'est un très bon moyen, vraiment, avec les couleurs, de pouvoir s'exprimer ses sensations. Ah, chouette! Ah, je suis contente, oui, on sent bien dans ton tableau aussi là, un mouvement assez profond qu'on sent aussi grâce à l'intervention des mains, je trouve. C'est chouette. Et est-ce que ça t'a donné envie aussi peut-être de continuer encore plus dans l'abstrait de temps en temps? Oui. Justement, je voudrais aussi commencer à des cours avec des enfants dans l'abstrait parce que c'est vrai que souvent on peint nos abstraits, mais c'est vrai que c'est une libération. Ah, je suis super contente. Je suis vraiment contente que tu aies participé aujourd'hui. Merci beaucoup. Super, merci. Donc, j'espère vous retrouver vendredi prochain. J'espère que ce témoignage vous a autant plu que moi. Voilà. Et donc, prenez soin de vous. À vendredi prochain. Au revoir.